Hello les amis, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui du récif de Varix et d'une petite spécificité que ce missionnaire de la faction de la Maison du Jugement a à vous proposer. Donc vous l'avez probablement remarqué, lorsque vous faites la prison des vétérans, à partir du level 32, vous avez des loots un peu plus spécifiques et notamment des matrices d'armes et d'armures qui se révèlent très intéressantes puisque comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur le level 34, comment monter son personnage level 34, à l'aide d'une matrice d'armure, vous pouvez notamment équiper votre personnage d'une nouvelle pièce d'armure mise à niveau et vous pouvez donc ainsi augmenter vos levels. Donc comme vous l'avez remarqué, une matrice d'armure peut se gagner en level 32, une matrice d'armes quant à elle peut se gagner en level 34, je parle ici du niveau de difficulté de la prison des vétérans, mais il est intéressant cependant de ne pas acheter les items séparément lorsque vos personnages sont assez bien stuffés et de les conserver, puisque lorsque vous avez l'un et l'autre de cumuler, vous allez pouvoir acheter un colis auprès de Varix et le colis que vous allez acheter va vous donner une arme ou une armure de qualité. Donc du légendaire bien évidemment, souvent des armes avec des dégâts élémentaires, donc le feu, l'abyssal ou le cryo. Par contre, bien évidemment, c'est du hasard, donc on ne peut pas déterminer à l'avance que l'on va obtenir, arme ou armure, quel type de dégâts, on ne sait absolument rien, donc c'est un peu le jeu de la roulette russe, mais comme je vous l'ai dit, si votre personnage est déjà niveau 34 ou si vous êtes bien stuffé, eh bien ça peut se révéler assez intéressant et ça peut vous permettre de looter des armes qui ne peuvent pas être achetées. Si toutefois vous n'avez pas encore votre personnage avec un très bon level, je vous recommande dans ce cas de garder séparément chaque matrice et d'acheter les items quand ils se proposent à la vente. Donc pour information, les items changent chaque semaine, donc il y a un reset hebdomadaire. Donc cette semaine vous avez les gants, la semaine prochaine vous aurez un autre item que vous pourrez acheter bien évidemment avec cette matrice. C'est tout pour cette petite info, j'espère que ça vous sera utile. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite bon jeu sur Destiny.